Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et yop, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Toujours le petit air chantant, bien sûr, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube, j'espère que vous aussi vous allez bien, bien sûr, c'est important. On se retrouve bien sûr sur Hunter's Arena Legends. On va jouer un peu en solo en attendant qu'il y ait un peu de monde. On est avec les trois frères. Mais du coup, il nous manque une personne, et pour le moment, il n'y a personne. Du coup, on va aller un peu en Battle Royale solo. On a fait quelques matchs avec partenaire. Je dois avouer que c'est très long à monter, c'est très très long. Les combats sont longs et lents, on tombe contre des gens qui courent tout le temps. Bref, c'est pas hyper amusant. Du coup, on va aller en Battle Royale solo en attendant. On pexe sur le solo saison 1. Hop, petit titre Twitch, on est bon. On va sélectionner notre personnage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a sombre puissance en fait. Let's go. Hop. Donc ça pète. Ça meurt. Et c'est très très cool. Il nous manque plus que le skin d'été. Il nous manque plus que le skin d'été. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va à Ruine? Je ne sais pas, j'irai bien héritage. J'aimerais bien changer un peu de spawn entre trio et solo. Puis comme ça, vous aussi, vous envoyez d'autres. Je pense qu'on va, on va faire notre petit spawn à héritage. Spawn qu'on a l'habitude de faire, là. En espérant qu'il n'y ait pas trop trop de monde. On verra bien. On verra bien. 15 secondes. Nous, l'objectif, ça va être de spawn juste dans l'angle à côté du kiosque, là-bas. On va voir ce que ça donne. Personne qui va là, hein. C'est quoi ce délire? Hop, on était pas loin, dommage. Ok. On va essayer de pex au plus vite, ramasser tout ce qu'on peut. On va quand même prendre le bouclier parce que ça peut nous faire win game. On va éviter de grid. Je vais là. On regroupe, hein, comme d'hab, les persos. Vous connaissez la chanson maintenant. Ok, on a un shield. Enfin, un shield. Une armure, on va dire. Pas mal. Bon, ok, un petit casque bleu. Ça met bien aussi. Allez, monte. Putain. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça se voit. Ça se fait mon R1 triangle n'est pas du tout parti. Ah, oh. Oh, il manquait un coup en plus. Bon, ok, on a un petit stuff déjà, c'est cool. Oh, le coffre légendaire qui met du bien là, qui va faire du bien. Bon tatou. Aïe! C'est là où on aime la protection. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de solo du coup. Vu qu'on tryhard le trio à Donf. D'ailleurs, on gagne rien en ranking lorsqu'on est légende en trio. C'est... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je comprends pas. Il y en a encore un? Non, il est au-dessus. Ok. Je ne comprends pas. Ok, on va prendre ça. On va faire le samouraï en dessous. Peut-être qu'il y a, il y a un petit coffre bleu en plus. Pas piquer des anoteng. Bonjour monsieur. Toujours se présenter hein, face à un ennemi lorsqu'il est pas au courant de votre venue. Ok, on va bien esquiver ça. Oh là non, pas là-dedans. Oula, ça a failli être une catastrophe. Mais c'est bon. Hop. Je sais pas ce que je veux faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Si je prends pas mon parchemin d'XP, c'est un peu relou. C'est surtout pour ça qu'on bute des mobs.
va pas se mentir, rien ici. On a un bleu là. On n'a pas de coffre en face de lui, c'est dommage. The barrier is shrinking. D'ailleurs, dans votre combo là, je l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à insérer le R1 croix dans votre combo de pouvoir. Et pas à finir par R1 croix parce que vous perdez un petit peu de temps. Après, en fait, votre attaque rapide sera moins rapide si vous terminez par R1 croix que si vous terminez par exemple par R1 carré qui est une très bonne attaque pour conclure un combo d'attaque spéciale. De compétences. On n'a rien là pour l'instant. On a encore un bleu ici. Ah, je pensais qu'il y aurait quand même besoin du carré. On a personne pour l'instant, ça fait plaisir, c'est agréable. Vous allez voir qu'en fin de game, il va vraiment falloir qu'on joue tactique parce que les gens ont bien compris que rusher, c'est pas forcément utile. Ah, ils ont joué au jeu, quoi. Les gens ont joué au jeu. On n'a pas le boss. Ce serait bien qu'on aille voir où est-ce qu'il est juste après. On est pas mal en termes de farm. Il est au tombeau. On va essayer d'y aller. Au moins pour éviter que les gens le prennent en fait. Même si nous on le prend pas. Si ça peut être quelqu'un d'autre, c'est bien. Bonjour. Après s'il est là et qu'il n'y a personne dessus, on va bien sûr le faire. En tout cas, essayez. Merde, j'ai pas réussi à sauter sur les planches. Au secours! Au secours! Putain, mais c'est quoi ce niveau là? Voilà! Aïe! Oh, il y a des monstres juste au-dessus de moi. Il a pas été fait encore. J'ai pas envie qu'elle me tombe dessus, je suis pas dans une situation très intéressante là où je suis. Elle est partie? Elle est partie. Ok, prends la popo. La tunasse. Continue de prendre les coffres, hein. Ça fait, on est déjà niveau 17, ça fait du bien en termes d'XP, hein, les coffres, toujours. Il y a vraiment personne qui joue... Ah, il y a quelqu'un qui est mort là par contre. On va prendre celui-là. Oui, je sais que tu m'as vu, calme-toi. Je reviens tout à l'heure. Je reviens te chercher après les cours. Ok ? Go. On est 18. Oh putain, on vient d'éviter un putain de Wukong de merde. Ok, on lui met la normale. La technique. Ok. Oula, 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 c'est quoi ce stuff, monsieur, là? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir tout ça sur vous là? Je sais pas, mais ça avait l'air bien. Allez, le boss, merci. Oh, vraiment? On
On a bien fait d'éviter cette merde. Ah, vu qu'on n'a pas évité celle-là en plus. Ok, parfait. On passe level 20 en 8 minutes. The next safe area has been secured. This really is quite useful. Hop, on va spé ça. L'autre boss a été fait, hein, donc on a du challenge. Après, on a la zone. C'est un peu gris de ma part d'aller là, mais... Oula ! Bah, bienvenue ! Ok, elle est 19, elle. Hein. Elle s'est jouée. Et c'est quoi ça? C'est quoi ces escapes à elle là? What the fuck? Comment elle est partie vite? Je la surveille parce que on sait jamais. Où est le marchand? Le marchand est tout au nord. On va essayer de jouer ça. J'aurais dû y jouer avant d'ailleurs. Putain, mais elle vient encore là? Qu'est-ce qu'elle me fait chier là? Bah attends, non? Je suis même pas en train de te fight. Et elle me suit, hein. Elle s'en bat les couilles. The barrier is shrinking. Elle vient ou pas? Elle vient pas. Personne là? Non, toujours vérifier au cas où. On va prendre ceci et ceci et ceci. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'on trouve le forgeron pour améliorer notre stuff max. Il y a du monde là-bas. Ça, c'est intéressant. Nous, on est en zone, on va pas bouger pour le moment. Hein. Oh, d'accord, il m'a fait peur lui. Hein. C'est marrant, mais je savais que t'allais faire le deuxième coup. T'as moins de vie que moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, beau gosse ! Viens là et saute ! Pourquoi tu fais ça ? C'était osé quand même. Je veux juste les cristaux violets, au secours, les potions, merci. Oh là là là. Ah, les potions, y'a rien de pire. Potions, les objets d'ailleurs. Elle est encore là, elle là. La relou là. Il y en a deux relous. Oh, réellement. Oh, c'est pas drôle. Vous voyez comment ça se juge? The barrier is shrinking. Ça se juge et ça s'attend surtout. Hein. Oh non, j'y crois pas. Allez, tuez-vous. Il y en a un qui est au calme, hein, comme moi. Qui attend que ça, là. J'ai vraiment sauté au moment où elle a ulti, quoi. Au revoir monsieur, let's go ça! Petite game, top 1, on est bon? On est bon, on est bon. Vous voyez, faut être. Vous voyez, le June, il a fait comme moi, il a attendu, mais on a quand même réussi à le surpasser grâce à notre cerveau hors du commun, bien sûr! Ah, c'est cool. Bon, je suis content, vous m'avez demandé une petite vidéo assez rapide.
Et en plus, celle-ci est bien, parce qu'on fait un top 1, c'est la première que je teste et on en fait un tout de suite, donc ça fait plaisir. Moi, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, j'ai essayé d'être assez explicatif dans tout ce que je vous proposais. On se retrouve très rapidement en stream sur Twitch, venez, n'hésitez pas à venir, venez. Un petit soutien, un petit follow, juste votre présence sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et on discute ensemble. C'est quand même mieux que dans les commentaires. Ciao.